Je parlais de la tasse sous le papier d'aluminium. 1, 2. Je suis prêt. D'accord. D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très apprécié. Mais de rien. Ryan, il y a plusieurs objets devant nous en ce moment. Il y a un citron vert, une tomate, un morceau de tissu, du papier alu, un couteau et surtout une tasse que j'aimerais que tu examines pour commencer. Tu peux t'assurer que c'est rien de plus qu'une tasse. Que c'est une vraie tasse. Oui. Effectivement, c'est une tasse totalement banale. Parfait. Et avant de commencer, j'aimerais ajouter à tout ça un objet qui t'appartient. Je vois que tu as plusieurs bagues au doigt. Est-ce que je pourrais t'emprunter celle-là, si tu es capable de la retirer? Je vais te la redonner en bonne et due forme. T'as pas à t'en faire. Ryan, il y a seulement 10% des images captées par nos yeux qui sont perçues par notre cerveau. Donc, c'est pas parce que ça se produit sous nos yeux qu'on le voit. Si je fais ça, Ryan, tu m'as vu lancer ta bague dans ma main, n'est-ce pas? C'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est échanger ta bague pour la tomate qui était là il y a un instant. Ryan, si tu veux récupérer ta bague, tu vas devoir deviner où se trouve la tomate, OK? OK. Donc, on va jouer à un jeu. C'est très simple. Je pourrais, par exemple, la placer ici et faire un geste comme ça, par exemple. Et là, je te demanderais où se trouve la tomate. Tu aurais le choix de dire sous la tasse, dans la main ou dans la poche. Ça va, tu me suis? Oui, pour l'instant, je suis. Parfait, on y va. C'est pas parce que ça se produit sous nos yeux qu'on le voit. OK, d'accord, très bien. T'es vrai? Je me concentre un peu plus. Donc, Ryan, où se trouve la tomate? Sous la tasse, dans la main ou dans la poche? Ah, je dirais sous la tasse. Sous la tasse? Ouais. Malheureusement, non. C'est pas facile. Mais je te donne une deuxième chance. Et je vais même te donner un indice. OK? Donc, où se trouve la tomate? Moi, je dirais dans la poche, hein? Bon, c'est pas si facile. On va y aller plus lentement, en fait. On va y aller plus lentement, puis je suis certain qu'en y allant plus lentement, les choses vont mieux. OK. Ryan, est-ce que tu peux te tenir droit et avoir ta main droite en face de toi? Je vais placer la tasse juste ici. Ne bouge pas. Et je vais encore une fois prendre la tomate. Et attention, où ne se trouve pas la tomate? Est-ce qu'elle n'est pas dans ma main? Est-ce qu'elle n'est pas sous la tasse? Ou est-ce qu'elle n'est pas dans la poche? Ben, je pense qu'en tout cas, elle n'est pas là. En effet, elle n'est pas sous la tasse parce que le citron vert prend... Voilà! Le citron vert qui était là, il y en a. Bien sûr, le fameux citron vert, d'accord. Et j'ai le couteau dans ma poche. Non, rassure-toi, il est là. Excellent, d'accord. Alors, où se trouve la tomate? Ben, c'est une bonne question. Ben, pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, on va continuer avec le citron. Et je vais utiliser le morceau de tissu. Donc, simplement un foulard comme ça. Et je vais couvrir le citron vert. Voilà. Et là, attention. Je pourrais te demander où se trouve le citron vert, Ryan, mais la vraie question, c'est pourquoi la lampe s'est éteinte? Il y a une raison pour ça. Regarde. Et regarde, on va aller voir dans la lampe, juste ici. Ouais, voilà. Il fallait que ça. D'accord. Bon, je vais le laisser juste ici pour l'instant. Garde un œil dessus, on va revenir. Oui, je vais garder un œil dessus. Pour tout de suite, l'ampoule est placée sous la tasse. Et la tasse est recouverte de papier alu. Ceci étant fait, Ryan, je vais essayer de faire disparaître ce qui est en dessous. D'accord? Attention. Tu peux placer ta main au-dessus comme ça? Oui, parfait. Attention. Voilà, tu peux retirer la main. Maintenant, sous la tasse, tout ce qu'on a. Oh! Est-ce que c'est la même que tout à l'heure? Ça semble être la même. Ouais, je pense que c'est la même. Hein? Ouais, d'accord. Je pense qu'elle n'a pas bougé de... OK, attends, je vais essayer autre chose. Tu peux replacer ta main juste ici. Lorsque je parlais de faire disparaître ce qui est en dessous, je parlais pas de l'ampoule sous la tasse. Je parlais de la tasse sous le papier d'alu. Ah non!
On n'a plus de citron vert non plus, tu remarqueras. Putain, le citron. OK. Donc, on n'a plus de tomates, plus de citron. Je vais utiliser le papier. Ça va, tu t'amuses? J'adore ça. J'adore ça, vraiment. Parfait. OK. Et on n'a plus de tasse non plus, donc je crois que je vais utiliser le foulard. Je vais utiliser ce qui reste, hein, parce qu'on a de moins en moins d'accessoires. Bah oui. Est-ce que la tasse n'est pas sous une lampe? Hein? Ah, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Donc, la boule de papier alu. Sous le foulard, encore une fois. Et attention. Ryan, as-tu une idée de l'endroit où peut se trouver la boule de papier alu? Alors là, je dirais dans la tasse, peut-être cachée quelque part. Je sais pas. C'est un bel essai. Personnellement, je pense que dans la vie, on cherche souvent des choses qui sont pourtant juste devant nous, sous nos yeux, mais on ne les voit pas. Est-ce que t'es sûr? Trop tard, de toute façon. Ouais, là, je pense que... J'ai essayé de... pas trop abîmé, je vais te montrer juste un peu jusqu'à ici. Non. Je vais essayer de pas trop me blesser. Voilà. Tu peux me tendre ta main droite, Ryan? Oui. Je vais te demander de déballer la boule de papier d'aluminium, en fait. Pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à l'intérieur. Oh là là! Non! Non! Le citron vert, voilà. On se demandait où il était. Il est bien intact? Ouais, il est bien. Il est intact. J'ai apporté avec moi des serviettes parce que on va utiliser le couteau. Non! Tu veux la prendre? Ah bah oui, je veux bien. Pas vrai. En fait, je vais récupérer le couteau. Je vais te montrer. La saisir, et encore une fois. Eh ben, franchement, bravo. Ça t'a plu? Ah, j'ai adoré. Juste, bon, ça reste un mystère, hein. Mais bravo. Merci, bravo. Ryan. De vous, quand même, hein, ouais. C'est ma bague, hein, c'est bien ma bague. Et la tasse, là, il l'a mis où? Il a les manches relevées, le con.